Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur New Pokémon Snap. Alors je vais essayer de baisser déjà un peu le son de ma voix. Ah, voilà, je pense que là ça devrait être bon. Voilà, alors du coup, bah, comme promis, voilà un peu la suite de mes aventures. Alors déjà, est-ce que... Parce que vis-à-vis d'hier, j'ai posté quelques photos en ligne. Et ça m'a rapporté des points. Donc on va voir ce que ça me rapporte comme points. Ah, j'en ai 499. Donc ça, ce sont les photos que j'ai publiées. Donc le Torterra que j'avais déjà pris hier. Pareil, je sais même plus ce que c'est. Je sais que son évolution c'est Castorno, c'est Kenotor. Voilà, et en plus c'est marqué. Donc Florges que j'ai. Donc ça c'est une photo de Florges que j'avais un peu modifié quoi. Le Arbok en fait il est en train d'attaquer, mais avec les feuilles ça se voit pas. Bon, ça c'est un petit délire personnel. Je pensais pas que ça me rapportait autant de points, quoi, celle-là. Hop, autre petit délire personnel avec un Marest. Et ça, honnêtement, c'est ma préférée. C'est celle que j'ai le mieux réussi. Mais bon. Et en fait, la version humoristique. Ah non, mais je pensais que la version humoristique avait gagné autant de points. Donc voilà, meilleure photo pour le moment, celle-ci. Franchement, magnifique quoi. Voilà, bien. Allez, du coup, on va passer à la suite. Parce que voilà, j'ai aussi récupéré plein de nouveaux Pokémon. Avec les petites missions en plus que l'on peut effectuer de manière à récupérer des objets. Donc le professeur lui donne des objets, il me semble. Voilà. Donc le joueur, si je réussis à faire apparaître la deuxième patte du Hoot-Hoot, je gagnerai un objet. Voilà, faut vraiment faire attention aux missions aussi qui sont assez sympas à faire. Et du coup là je vais sur la deuxième île. Donc il y a l'île Calais. Et je vais la faire de nuit. En journée, donc j'ai vu plein de Pokémon. Là, je vais découvrir la version nuit avec vous. Alors c'est... Je pense que c'est par là qui fait que je balance des trucs. Ça, ce sont des Pokémon aussi. Je suis bête, hein. Ça, c'est cool. Je sais qu'il faut que j'en prenne en photo. Génial.
bien en réveiller un. Ah bah celui-là peut-être. Là je l'ai bien cadré. En bas il y a des ruines. Qu'est-ce que ça fait, ça se prend une pomme sur la tête. Contact qui se connecte. Ah, deux Magikarp. Un Yann Mega, deux Yann Mega. Pour lui. J'ai dû la rater celle-là. Ah, j'ai mis KO. J'ai mis un Spododo KO. Je pense pas que je réussirai à faire mieux que celle-là. Migalos. Oh là, je suis pas rien quoi. Ah, parce qu'il y a un Spododo là. Je prends ça à 3 étoiles. Hein. Ah, celle-là est magnifique. Ouais, je préfère quand même l'autre. Mais il dort. Shin Hakken da. Ouais,
Ah super, j'assemble un spododo et je fais une photo magnifique quoi. Donc souvenez-vous-en, assommez le spododo et ensuite prenez-le en photo. Ah, le marais est magnifique je trouve là. Vu que je m'en étais aperçu à la dernière minute. Ah, c'est mieux que Magikarp qui saute. Là, je vais garder celui-là. Ah, il faut une fleur de cristal qui brille. Ok, on rentre à la base. C'est vrai qu'on fait plusieurs fois les mêmes niveaux, mais bon. Alors, sachant que dans mon aventure, j'ai croisé Todd, donc le personnage du premier Pokémon Snap, hein, sorti sur N64. Ouais, il a pas voulu ma pomme. Alors, je sais qu'il y a un monoflémite dans le coin. Yeah.
luxuriante la forêt. Ah, c'est barré avec une pomme. Ah, le Magikarp est en train de jouer avec la pomme quoi. On a encore pu voir plein de Pokémon. Alors, Axolotl. Je pense que celle-ci, c'est la mieux. Vont être en compétition. Ouais, bon. Alors Bazooka, je l'avais. Ah, direct 2 étoiles. Alors, est-ce que je vais faire mieux choix? Non. Thank you.
vache, 4 étoiles. Hein. Oh, je garde ça là, 4 étoiles. Hein. Il ne restera plus qu'à en faire une de 2 étoiles. Bonjour le piote. Alors, ouais, bon, je vais garder les anciens. Ah, franchement, le jeu il est très très bien, quoi. On réussit à faire de super trucs. Allez, bazooka. Merci, merci. C'est très gentil de penser aux personnes qui font les lives. Là, c'est la photo, on voit rien. J'ai ramassé un maximum de points, quoi. Allez, Léopardus, bon. Je serais pas mieux que celle où il est endormi, je crois. Ouais. Allez. Est-ce que je vais avoir plus de points? Je vais garder quelques petites photos parce que celle-là je la trouve très sympa. Qu'est-ce que j'avais fait de sympa aussi? Oh, c'est déjà bien. Voilà. Oui, non mais ça je sais qu'il faut que la fleur brille. Justement, je dois le faire dans la mission de nuit, mais bon, voilà, je fais un peu tout à mon rythme, quoi. J'évite de trop regarder les solutions, tout ça pour le moment. Je te remercie, c'est très sympa. Mais voilà, je fais à mon rythme, j'ai fait une fois la jungle. Voilà. Oh, parce que si c'est pour acheter un jeu que j'ai déjà toutes les solutions, ça m'intéresse pas. C'est pas parce que voilà, je sais qu'il y en a qui ont passé toute leur nuit dessus ou quoi que ce soit pour essayer de montrer que voilà, pour montrer qu'ils ont terminé le jeu en premier. Voilà, mon classement niveau national, je suis hop 2693e. Bon, voilà, je suis dans les 3000. On va dire dans les 3000 premiers, on est comme ça, je suis optimiste. Voilà. Mais non, je préfère un peu avoir la surprise de tout. Je sais qu'il y a Lugia, je sais qu'il y a Celebi. Voilà, ça je sais que je peux m'attendre à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Donc, le principe c'est de s'amuser, voilà. Ah ouais, bah il y avait une personne hier qui m'avait parlé pendant mon stream aussi, qui regarde juste les streams parce que voilà, elle trouve ça intéressant. Mais voilà, Je sais qu'il y a des youtubeurs qui se disent entre guillemets professionnels, Pokémon, tout ça, quand je les vois, ça me fait un peu rire. Bon, ça c'est mon avis personnel. Mais voilà, les mecs, ils ont passé des heures et des heures dessus parce qu'ils ont eu le jeu en avance et autres. Et moi, honnêtement, même si j'avais des jeux en avance, voilà, je prendrais déjà plaisir à y jouer. Et voilà, je laisserai un peu de surprise quand même jusqu'à la date de sortie du jeu, quoi. Donc, voilà. Alors je vais essayer de faire un petit truc marrant avec lui, parce que je trouve qu'on peut faire quelque chose d'assez sympa. Comme ça,
Si je mets l'œil là, le souci c'est qu'il y a l'autre œil sur le côté, ça va pas le faire. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre de... Ah ça, ça... Ça ferait moche. Non, ça c'est quand on rigole, donc ça sert à rien. Non, je pense que ça se suffit à soi-même. Je vais juste bien rapprocher les trucs là. Voilà. Cadrer ses mains aussi. Ça c'est quoi? Voilà. Et dans la description, je vais mettre quoi? La manière que je vais décrire. Voilà. Je vais la mettre en ligne. Si ça rapporte... Ouais, nani nani. Ah oui, non mais c'est sûr. C'est sûr. Ah mais bon voilà. On va laisser en français parce qu'après il y en a qui risquent de ne pas comprendre. Voilà. Et si ça rapporte 2 ou 3 points, bon c'est tout. C'est qu'il y en a qui comprendront mon délire. Bon, ça me sert à rien de revoir tous les Pokémon. J'ai essayé de photographier les fleurs de cristal dans la jungle. Ah ça je sais qu'il y a énormément de Pokémon. Par contre je sais pas si on peut voir des Pokémon chromatiques, ça je le sais pas, j'espère que j'aurai la surprise. Donc voilà quoi. Après, on va dire, c'est juste pour la beauté du Pokémon, sur le Pokémon, bien sûr. Mais voilà, je suis pas non plus à vouloir tout de suite des Pokémon chromatiques ou autre. Mais ça aurait été marrant. Et moi, ça serait ou ça, ça aurait été marrant, voilà. Là, j'ai une croquine. Ah, il y a une croquine sur le côté. Où ça? Wow, c'est... Ah oui, non mais ça... Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça pour interrogation, je sais que c'est un Mégalos, mais bon. Hein, c'est quoi ça là-bas? Ah, c'est un Spododo. Ah, franchement, le jeu est magnifique, quoi. On peut rien redire là-dessus. Zut. Je me suis planté de touche. Heureusement, on a plus de pellicules que dans la version sur N64. Hein.
Ah ça, voilà, y en a qui crachent sur les graphismes de la Switch, mais voilà, je pense que c'est déjà une très bonne console, une très bonne console en soi par rapport au graphisme proposé. Quoi. Franchement les spododo là ils sont magnifiques. Carte qui mange, c'est génial. Hein. Ah, il y a un axolotl là-bas. Alors, tout à l'heure j'en avais dégommé un qui avait laissé de la poussière. J'ai tué un spododo. J'ai fait un assassin. Bah, je voulais essayer de voir si ça faisait le même effet que quand on balance une pomme sur un salamèche ou un reptincelle, je sais plus, et que ça le fait évoluer en dracofeu. Je voulais voir si le spododo allait évoluer en dracofeu. Croquin, bon, j'en ai qu'une seule de photo, Mégalos. Ouais, je vais prendre celle-là. Ah, celle-là elle est magnifique quand même. Alors, Spododo, j'ai plein. Je prends un niveau 2 parce que je n'ai pas encore de photos de niveau 2. Et les niveau 1 vu qu'elles sont faciles à faire donc. Alors Léopardus. Voilà. Ça y est, j'ai ma photo de fleur de Christophe. Non, j'ai fait une meilleure photo. Alors que c'est quasiment la même, quoi. Bon, c'est tout. Je vais apprendre quand même. Hein. Mmh.
gagne mieux. Ouais, l'autre elle était mieux. Bon bah ça va, 2 étoiles. Alors bazooka. Ouais, la nouvelle est mieux que l'ancienne. Et Léopardus. Ah bah. C'est quand même mieux de le voir de face en train de manger plutôt que derrière les feuilles. Bah ouais non, elle était un peu plus proche, celle de Bazookan. Ah, j'ai cru qu'il note aussi le cadrage tout ça quoi. Allez, c'est reparti. Combien de points je vais gagner? Ah bah cool, niveau 2. Du coup je dois débloquer le troisième circuit je pense. Alors, tu verras, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que je vais avoir droit à une cinématique. Alors, c'est laquelle que je voulais garder. Ah, celle-là est sympa. Bien joli. Ok. Alors, je vais avoir droit à quoi cette fois? Excellent travail, grâce à ces photos, nous avons pu récupérer énormément de données. Ah cool, je vais pouvoir faire briller les Pokémon maintenant. Fait rire, cette Toad, ils l'ont laissé le même style qu'il y avait déjà dans la version N64. Alors, les armes... Thank you.
déplacement longue distance, c'est quoi? Boule de neige, se déplacer d'une manière incroyable. Ok, ça c'est quoi? Il doit y avoir une apirène. Hein. Ok, bon bah on va voir tout ça. Changer le niveau d'exploration. Ah d'accord, on peut revenir aussi sur le niveau qu'on avait pour le parcours. Ah c'est génial. C'est génial. Bah, je vais essayer de refaire celui-ci. Ça m'étonnerait que je puisse utiliser les balles, quoique. Ouais, et c'est reparti. Et moi le gars. Voilà. Un peu les molga, mais bon, c'est pas grave. Rater toutes mes photos, je trouve.
Fait coucou. Ah, en plus avec la brillance ça fait joli, c'est pas mal. Ah c'est vrai, je reste assez bouche bée quand même parce que le jeu il est franchement génial. Après il y en a qui diront toujours ah ouais mais c'est un jeu Pokémon donc c'est pour les bébés ça. Celle-là, elle est géniale. Vraiment prise sur le vif. Là, je vais prendre aussi vu qu'il est en train de manger. Alors, boule de nœud. Qui est content. Franchement magnifique celle-là. Ah ouais non mais ça c'est sûr, c'est vraiment pas prise de tête du tout, c'est voilà. C'est vraiment le jeu. On fait de la photo, bon c'est de la photo virtuelle, mais bon voilà. En fait, c'est quasiment la même sans les pommes, celle-là. Celle-là est beaucoup plus belle aussi, c'est sûr. Oh, c'est vrai que c'est hyper intuitif. Après, il y a quand même les commandes. Qui sont les mêmes que sur la version N64 où en fait on a les raccourcis avec les touches avec la croix directionnelle qui permettent d'aller rapidement devant, derrière, voilà quoi. Alors ah elle est moins bien et pourtant je la trouve plus jolie, bon c'est pas grave. Emolga. Best timing. Ah, Emolga, c'est la nouvelle, je la préférais quand même. Mais bon. Allez. Best timing. Ah, bah voilà, une belle photo de Shunipot. Ok, bah amuse-toi bien, moi de toute façon j'allais bientôt arrêter la vidéo parce que ça fait quasiment une heure et bon les gens ils n'aiment pas trop regarder plus d'une heure de vidéo quand même quoi. Donc j'essaye de faire en sorte pour que mes vidéos elles fassent à peu près une heure. Voilà, bah, je te remercie d'avoir regardé, n'hésite pas à me suivre non plus sur Twitch et à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Et donc je te dis à très bientôt. Voilà. Alors, Lake Messing, ça donne quoi? A plus. Voilà. Alors, on continue avec boule de nœud. Bon, l'hirondelle, il est pas GG, non. Ah, Florges. Nice timing. La version jaune.
c'est bien. Il me reste plus que la version 4 étoiles. Et j'ai terminé. Ah, nice timing. Ah bah ça va, j'ai bien réussi aussi celle-là. Il me reste plus que la 3 étoiles. Voilà. Alors je devrais peut-être passer de niveau là. J'avais bien dit peut-être. Et je vais mettre un peu à jour mon album. Alcanator, celui-ci, je l'aime bien. Et Walker. J'aime bien aussi celle-là. En fait, faut que je regarde. Il y a tellement de choses à faire que voilà quoi. Bien, bah, j'ai plus qu'à m'amuser à modifier un peu les photos, à faire un peu de n'importe quoi. Allez, pour terminer, on va voir. J'ai récupéré encore des médailles pommes ou pas, ça se pourrait. J'ai gagné quelques places. Ah, j'ai pas reçu de nouvelles pommes. C'est pas grave. Alors là, des pages, j'ai trop. Ok. Oh, on peut même retoucher les photos des plantes. Ok. Bon bah voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette nouvelle vidéo. Du coup je continuerai un peu de mon côté pour avancer dans le jeu et pour vous proposer encore plus de contenu sur ce jeu. D'ici là, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.